Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du HTML5, nous allons voir le numéro 23 qui portera sur la balise audio. Un peu d'histoire. Avant l'arrivée du langage HTML5, la lecture d'un fichier audio ne pouvait se faire que par un plugin comme Flash, rappelez-vous, logiciel d'Adobe. Ou alors, il fallait télécharger le fichier en l'occurrence un fichier dont l'extension était WAV ou midi. Mais quels sont les formats audio les plus couramment utilisés en premier, on aurait le MP3, donc c'est le MPEG 1 Audio Layer 3. Ce format de compression audio est né en 1991, ce qui a provoqué l'essor de la musique numérique sur Internet. Ensuite, on a l'extension AAC, Advanced Audio Coding. Ce format est censé fournir une meilleure qualité que le MP3. C'est le format qui a été choisi par Apple pour le logiciel iTunes. Vorbis, petit frère de OGG, format audio libre. De droit et dispose d'atouts indéniables. Donc vous l'aurez compris, on pourra mettre un fichier audio comme MP3, AAC, Vorbis entre deux balises audio. Voyons maintenant la gestion de la balise. Il existe des propriétés ou des attributs comme Contrôle celui-ci va activer ou désactiver les contrôles visuels à l'écran. Alors là, je vous conseille bien évidemment de le laisser parce que sinon ce sera la catastrophe. Autoplay permet de déclencher la lecture automatique très peu appréciée par les internautes. Cela est plutôt considéré comme de la nuisance sonore. Alors, moi, dans mon cas, je vous le laisserai pour vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau de mon fond euh, sur le bruit de la mer, tout simplement. Preload permet de précharger le fichier audio afin que celui-ci soit chargé. Loop permet de lire le fichier en boucle. Pour finir, je vous conseille vivement de mettre plusieurs extensions de son afin d'être sûr que votre internaute puisse écouter votre son par le biais de son navigateur. N'oubliez pas que chaque navigateur peut lire ou non une extension de son. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur notre site web Poisson pour tous. Donc, nous voici devant le site web Poisson pour tous. Rappelez-vous, dans le son numéro 22, je vous expliquais que le design avait complètement changé et j'avais fait une explication complète sur le, sur le code afin de vous expliquer comment cela fonctionne. Donc, là, cette fois-ci, on va voir les balises audio, comme je vous disais. Donc, ici, vous voyez, on a. Un petit lecteur. Si vous cliquez sur le bouton lecture, vous accéderez à un bruit continu. Euh, moi, je vous conseille pour l'instant de le laisser. Il n'est pas très fort. Je vous expliquerai ce que j'ai fait. Donc, décryptons le premier élément. Vous voyez, ici, on a une espèce de fenêtre avec les différents boutons lecture. Euh, on peut reculer ou avancer le son. Et ici, on pourra modifier. Et ici, on pourra modifier le volume du son, plus ou moins. Donc, si on regarde ici dans le fichier index.html, il se retrouve ici. Vous voyez, dans une balise div. Dans une balise dedans, il y a une balise audio avec un ID musique, CTRL, AutoPlay, Loop. CTRL, ça sous-entend ici, ça va s'afficher, tout simplement. AutoPlay, ça veut dire qu'il va se jouer automatiquement. Que dès que vous allez charger votre page web, celui-ci va se charger automatiquement. Et Loop, c'est qu'il est en boucle. Dans ce cas précis, c'est que j'ai voulu faire un semblant de mère, de en fin fait de compte. Donc j'ai laissé comme ça. Après, à vous de l'enlever, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, vous savez, vous pouvez retrouver le code source dans Langue pour tous. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Donc ici, vous pouvez voir que dans Source, on a différents formats. On a MP3, AAC, OGG. Il existe un site intéressant où vous pouvez convertir votre format. Très souvent, vous aurez du MP3 ou voire du web, ce qu'on appelle le format brut. Pour y accéder, il suffit d'aller sur ce site qui s'appelle www.online-convert.com-fr. Celui-ci va permettre de convertir différents formats, que ce soit audio, vidéo, images, documents et ainsi de suite. Je m'en sers très souvent car celui-ci est très pratique, gratuit de plus. Donc il suffira par exemple de cliquer ici. Donc ici vous avez convertisseur audio. Donc mettons on va mettre MP3. Donc ici on tombe sur une nouvelle fenêtre où on demande de convertir le fichier MP3 en un autre format. Donc là je vous laisserai regarder comment faire, c'est assez facile, il hein, n'y a rien d'extraordinaire. Il suffira ici d'indiquer le format que vous avez. Donc en l'occurrence, imaginons que vous avez un toto.mp3. Moi dans mon cas ce sera C.mp3 Et je l'ai transformé tout simplement en AAC et OGG au fur et à mesure Il y a un autre site internet aussi qui est très intéressant, c'est euh, CanineUse Alors en fin fait compte, si on tape ici la balise audio par exemple Vous voyez, il va vous dire de suite quelle est la compatibilité avec les différents navigateurs En l'occurrence, Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera et ainsi de suite Donc vous voyez, ça permet de voir de suite euh, quels sont les éléments qui sont intéressants donc il vous dit OK, donc là mettons le ACC est compatible pour tel version donc tel navigateur avec telle version et ainsi de suite. Ça vous permet vraiment de voir. Donc c'est très souvent utilisé pour les professionnels qui permettent de voir la compatibilité avec les différents navigateurs. Voilà, ça me paraissait important de vous dire ça. Revenons maintenant à Poisson pour tous. Donc ici comme vous voyez on a différents formats. Afin d'être compatible avec tous les navigateurs. Si par hasard vous n'avez aucun navigateur de compatible, il faut rajouter cette petite phrase en dessous qui met votre navigateur ne supporte pas ce format audio, tout simplement. Ici, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on verra bien plus tard quand on attaquera le JavaScript, mais en gros, si je résume, euh, je voulais faire en sorte que mon son soit très faible. Vous verrez quand vous, quand vous récupérez le code source et vous le mettrez, euh, vous le lancerez dans un navigateur, vous verrez que le son est très faible parce que j'ai défini en fin de compte. Un petit code un petit bout de code en javascript afin de mettre le son à 0.1 parce que par défaut il est à 1 et je trouvais ça trop fort. Voilà. Regardons maintenant les exemples. Donc on clique ici et on accède ici exemple ou exercice. Donc là on va le retrouver ici. Donc là c'est pareil, vous voyez donc cette fois-ci j'ai mis que contrôle, c'est-à-dire qu'on a le contrôle qui apparaît, vous voyez, avec les différents boutons de lecture, ainsi de suite. Donc je clique dessus. Vous aurez comme un bruit de bulle, comme si vous avez un plongeur sous l'eau qui, qui est en train de se promener. Bien évidemment, je l'ai converti afin que n'importe quel navigateur puisse se lire. Et ici, vous avez différentes informations intéressantes. Là, je vous ai montré aussi qu'on pouvait avoir euh, quelle est l'apparence la, euh, du, du bouton de contrôle en fin de compte, que ce soit sur Chrome, Chrome ou Safari. Là, je vois que j'ai fait une erreur, mais bon, je vous le corrigerai au cas où, c'est pas très grave. Regardons maintenant le CSS. Alors, CSS, pas de problème, il y a des choses que vous comprenez. Ici, au niveau de la section exemple, j'ai fait un petit background avec un, une couleur grise, une hauteur minimum de 400 pixels et un padding bottom de 20, de 20 pixels, afin qu'ici, vous voyez, ça ne mange pas le contact. Ici, quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai fait un padding 30 pixels, vous voyez, au niveau de, de la section exécutable avec le titre H3. J'ai fait en sorte qu'ici, il y ait bien 30 pixels et 30 pixels, et par contre, à gauche. Et à droite, je n'ai rien mis. C'est pour ça qu'ici j'ai mis 30 pixels et ici 0. Et je vous ai mis une petite, une petite annotation qui vous dit lorsque l'on a deux valeurs au niveau du padding ou margin, cela signifie valeur 1 haut et bas et valeur 2 droite et gauche. Dans le cas de valeur 2, j'ai 0, donc j'ai aucun padding qui a été euh, associé à droite ou à gauche. Vous retrouvez ici, donc bon vous avez un cadre rien d'extraordinaire avec la bordure en inset, vous voyez, ça fait un espèce de renfoncement. Euh, on pourrait même faire un one mouse over euh, afin que quand le bouton il le clique dessus, ça fait comme si un bouton était euh, enclenché ou déclenché. Bon, ça c'est à vous de voir. Et ici, on a différents poissons. C'est à dire que je vous ai créé des petits, euh, je vous ai récupéré des petites images afin qu'on puisse récupérer. Vous savez les pseudo éléments avec before. Donc rien d'extraordinaire. Hein. On a toujours le vertical align middle et display inline-block qui va permettre de bien centrer votre image par rapport euh, au texte. Et j'ai fait ça pour tous, c'est-à-dire le son, la vidéo et le document. Vous voyez Ce que je vous expliquais ici. Et c'est pour ça qu'ici, je vous ai mis aussi le lien en dur, afin que vous puissiez accéder. Il est vraiment très pratique, ce petit, ce petit site, parce que ça va vous permet de, de pouvoir convertir pas mal de choses. Quelque chose aussi intéressant, c'est les Fig Captions. Alors revenons au code HTML pour bien comprendre. En fin de compte, vous pouvez définir entre deux balises, ça s'appelle figure. Vous voyez, on a figure, ici on met l'image et après on met Fig Caption. C'est tout simplement le petit titre qu'il y a en dessous qu'on peut mettre au niveau de l'image, afin de définir c'est un peu comme une infobule, une infobule permanente qui va vous dire voilà à quoi ça correspond. C'est vrai que tout à l'heure je vous disais je me suis trompé, j'ai mis lecteur sur Chrome, mais en fin de compte, il y a deux Safari et Chrome là-dedans. Bon, je corrigerai, c'est pas très grave. Et si on revient au niveau du CSS, on a simplement un font size donc de .7EM, petite écriture, en italique et en noir. Vous voyez, rien d'extraordinaire. Comme d'habitude dans Langue pour tous, si vous allez sur HTML5, CSS3, vous cliquez sur le bouton cours, vous accédez à la leçon numéro 23 et vous pourrez cliquer ici et récupérer l'intégralité du cours à la fois avec les sons et tout. Donc vous verrez, quand vous lancerez la page web, vous aurez automatiquement un son qui va se lancer comme un bruit de mer et vous pourrez l'activer ou le désactiver et cliquer au niveau de l'exemple pour avoir le bruit de, de bulles dans l'eau. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Voilà, et pour finir, la prochaine vidéo sera sur la balise vidéo. Allez, bye bye